مثل سيدي أبو حامد الغزالي حجة الإسلام، لما كان وفاته تطيب اغتسل وتطيب وتعطر وتمدد وقال مرحبا بالقدوم على الملك، مرحبا بالقدوم على الملك. Tel que Sayyidi Abu Hamid al-Ghazali, Hujjatul Islam, lorsque vint le moment de sa mort, il s'était embaumé physiquement, lavé, parfumé et allongé, puis dit « Bienvenue à l'arrivée auprès du roi. Bienvenue à l'arrivée auprès du roi. Marhaban bil qudumi ala al-malik. Marhaban bil qudumi ala al-malik. » Cheikh al-Shi'rabi, rahimahullah ta'ala, Cheikh Mutawalli al-Shi'rabi, كما يذكر ولده قبل 3 أيام قال له المولد يوم الأربعاء، هكذا أذكر، وقال له غسلني وأصل لي أظافيري وسرح لي شعري وعطرني وكذا. الشيخ الشعراوي رحمه الله tel que lui comme le mentionne son fils 3 jours avant il lui avait dit le maulid ce sera le jeudi. Je me souviens. Il lui dit « Lave-moi, nettoie-moi les ongles et apprête-moi les cheveux, parfume-moi, etc. » وهو يحتضر جاءته وفود الصحابة ومشايخه والأولياء إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Au moment de l'ihtidar, quand tout devient clair au moment de la mort, il vit venir à lui ses shuyukh. Et des saints, et des groupes de compagnons, jusqu'à la venue du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Allah yahsin khatimatna ya akhwan, Allah yahsin khatimatna. Allahumma ahina ala qawli la ilaha illallah, wa amitna ala qawli la ilaha illallah. Qu'Allah nous accorde une bonne fin, qu'Allah nous accorde une bonne fin. Ô Allah, fais-nous vivre sur la parole « La ilaha illallah » et fais-nous mourir sur la parole « La ilaha illallah » Kana akhira kalamihi Allahu al-hayy thumma fadat nafsuhu. La dernière parole de Abi Madian, le cheikh de cette qasida, ce poème, était « Allahu al-hayy » Allah est al-hayy. Puis son âme déserta. وتوفي بتلمسان وقد قارب الثمانين أو تجاوزها. Il décéda dans la ville de Tlemcen alors qu'il s'était approché de 80 années de vie ou les avait dépassés. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Certes, ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah » puis se sont rendus sur la droiture. Descendent alors vers eux les anges en leur annonçant de la part de leur Seigneur « N'ayez crainte et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. » ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم. Nous sommes vos protecteurs dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. En tant que man, don de la part d'un Seigneur, غفور et رحيم. شو هي لهم البشرى؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا. هاي عند الموت. يختم له بخير ويرى مقعده من الجنة. Qu'est-ce donc que cette bonne nouvelle? Il la reçoit dans la vie d'ici-bas, au moment de mourir. Une bonne fin lui est prédestinée et il voit sa demeure au paradis. كان لي خال رحمه الله تعالى أصابه مرض عضال. ما في خلال أسبوع. فآخر يوم من مرضه يقول لهم شوفوا الرماني ما طيبها، شوفوا الرماني، شوفوا عنقود العنب، شوفوا هاي شو كشف له مقعده في الجنة. J'avais un oncle maternel
ayant été touché par une maladie musculaire. En l'espace d'une semaine, au dernier jour de sa maladie, il disait « Oh, regarde ces grenades. Oh, regarde ces grenades. Regarde ce raisin. Regarde ce raisin. » Il lui avait été dévoilé sa demeure au paradis. وبالمقابل والعياذ بالله أهل الإجرام أهل الضلال أهل الفجور أهل الفسوق يختم لهم بأبشع وأقبح خاتمة. Alors qu'au contraire, et la préservation est auprès d'Allah, les criminels, les gens de l'égarement, de la perversité, du dévoiement, la fin la plus immonde et laide leur est réservée. ترى الواحد منهم يولول يصرخ بعدوا عني بعدوا عني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tu en vois un gémir, hurler, éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله حسن الخاتمة نسأل الله حسن الخاتمة. وأن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Nous demandons à Allah une bonne fin. Nous demandons à Allah une bonne fin. Et qu'il nous réunisse avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie que la leur. العوام بتقول الآخرة يا فاخرة. ما هيك؟ الآخرة يا فاخرة. عمل اللي بدك يا Les gens du grand public disent l'au-delà, la fierté. Al-akhir al-fakhr. N'est-ce pas? L'au-delà, la fierté. Et tout ce que tu veux, tu l'auras. Manger et profiter. Kulu wa tamatta'u. Al-akhir. Si un homme veut aller un jour, سفر قريب, إن كان على دبي وإن كان على الصين وإن كان على معرض بفرنسا أو كذا بيجهز الحقائب والسفر والبارفانات والثياب والجوازات واليورو والدولار ما بيخلي شغلي ما إيش بياخد احتياطاتها وهو كله رايح 15 يوم 20 يوم شهر وبده يرجع بإذن الله كيف اللي رايح روحه بلا رجعة قديش لازم يحضر حاله. L'au-delà, si quelqu'un veut se préparer pour le voyage, d'un voyage proche, que ce soit Dubaï, en Chine, ou pour un rendez-vous en France ou autre, bah il prépare ses valises, ses parfums, ses habits, ses pièces d'identité, ses euros, ses dollars, et les... Bah, il prend quoi? Bah, il prend tout ce dont il aura besoin, par précaution. Mais là, il part peut-être 15 jours, 20 jours, ou un mois, et il espère revenir avec la permission d'Allah. Mais que dire s'il part quelque part mais ne reviendra pas? Combien est-il alors important qu'il questionne son propre état ?